On ne le répétera peut-être jamais assez, la comédie populaire en France a une sale réputation qui lui colle à la peau, la faute étant due à ses propres artisans malheureusement. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui peut être à la fois vu comme un auteur de comédie excellent, tout comme un cinéaste pauvre dans la création de celle-ci. Danny Boone est un réalisateur d'origine française, plus précisément ch'ti, qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 22 ans. A la base, c'est surtout un showman, un comique qui s'est fait un nom sur la scène avant de devenir un acteur de cinéma et de passer derrière la caméra. Il fut d'ailleurs l'un des premiers de sa génération à le faire, avant Gad Elmaleh ou Elise Moon par exemple. Et il s'est fait un nom en ayant aujourd'hui à son actif le plus grand succès de tous les temps français avec un record d'entrée. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que l'on retient vraiment de l'œuvre de Danny Boone et des 4 futurs 5 longs métrages qui composent sa filmographie? Eh bien finalement, simplement le fait qu'il a su synthétiser dès son deuxième métrage la manière de rendre un film populaire par le biais d'un travail d'écriture et d'identification. Car même si le succès du film est dû à une euphorie assez difficile à cerner, force est de constater que son cinéma fonctionne sur le long terme. Comique, saisissant l'absurdité d'une rencontre ou d'un pitch et cherchant à la cristalliser au cœur d'une œuvre délirante jouant avec des clichés et des stéréotypes, il a compris comment faire une comédie et surtout comment toucher le plus grand nombre avec des bases dramatiques finalement simples. Là où beaucoup voient en Danny Boone un cinéaste pauvre et finalement simplet, il faudrait plutôt y voir et lui reconnaître une composition comique du cinéma qui renoue avec le populaire du cinéma de Belmondo des années 60 et 70. Cette essence qui faisait d'un film loufoque et surréaliste, une œuvre qui parvenait finalement simplement à conquérir le public et à l'emporter dans un délire juste jouissif pour lui. Cela fait-il pour autant de son cinéma un délire jouissif et conquérant ? Pas vraiment au final, car si sur le papier son cinéma s'inscrit dans cette veine d'artisanat, il n'en reste pas moins un artisan à la chaîne, ne cherchant pas à renouveler son style, mais comprenant simplement le filon et cherchant à l'exploiter jusqu'à plus soif. Car c'est là le problème du cinéma de Boone. Faire une comédie, oui, mais pour de bonnes raisons. Or, se contenter d'aligner un pitch et de reposer son film sur des clichés extrêmement lourds, c'est un peu facile et ça fait qu'on peut encore se demander aujourd'hui comment les gens du nord de la France ont pu accepter que son deuxième film devienne un succès populaire. En soi, rien de méchant habite le cinéma de Boone. Mais se considérer comme un auteur à partir du moment où on ne respecte que la surface du mot, cela laisse un peu circonspect. Surtout quand on constate que bien au-delà de ne pas se renouveler, Boone se contente simplement d'appliquer la formule à l'américaine, plus c'est gros, plus ça passe. Le rire est là, mais parfois et même souvent, il est tellement gros et tellement lourd qu'il en devient pachydermique et pas du tout divertissant pour le spectateur avide de surprises. On pourra toujours laisser le bénéfice du doute à ce cinéaste, mais voir qu'en 5 films, il n'a jamais renouvelé sa formule, c'est qu'il y a un problème. Un problème inhérent finalement à la production populaire comique française, celle d'une production qui se contente d'appliquer la formule régime du camp, on bourre le film au début et ensuite on se contente de se serrer la ceinture et de voir ce que ça donne en termes de comédie lourdingue. Là où Boone apporte un peu de nouveauté, c'est qu'il réussit à mettre un peu d'ambition dans ses projets, cherchant à emmener la comédie dans d'autres genres, mais finalement, au bout du compte, les concepts qui peuvent rendre ses films intéressants cèdent rapidement la place à des œuvres très classiques dans leur genre, lourdes, pas subtiles et finalement vaines de sens, à l'image de son ambition cinématographique peut-être. Plonger dans le cinéma de Danny Boone, c'est chercher à s'interroger sur le problème global d'une production qui pourrait faire beaucoup de choses, mais qui se contente finalement de peu. Créateur de concepts finalement limités, Danny Boone nous montrera peut-être avec le temps qu'il est capable d'apporter à la comédie ce dont celle-ci a le plus besoin, de la générosité.